Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Bruxelles, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Oui, monsieur, monsieur le Président. Bonjour. Merci. Monsieur le Président, après neuf ans, la France a décidé de se retirer militairement euh, oui. du Mali au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec Non, je ne pense pas. La France a pris une décision euh, par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle, euh, elle adapte son dispositif euh, compte tenu euh, de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner euh, la Côte d'Ivoire Est-ce que vous pourriez euh, accueillir plus de troupes, de matériel euh, français On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan Bien la semaine sûr. dernière, on imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait, nous nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au, dé au développement. Euh, nous avons, je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. Euh, L'Arabie Saoudite a une base américaine, euh, d'autres pays aussi. Et si euh, notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura plus de cela, soldats. Tout cela est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises si en Côte d'Ivoire. C'est nos euh, ministres vont en discuter avec le, notre armée. Et nous verrons. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En, en Afrique de l'Ouest, euh, le sentiment anti-français semble se répandre. Hein, on l'a vu. Euh, il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane non, qui a été non, intercepté non, non, par non, des manifestants non, vraiment, au Burkina il ne, ne a pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème après tout ce convoi qu a quitté port boué pour aller jusqu'à Gao euh, la Côte d'Ivoire quand même l'a traversée, c'est quasiment 1000 km il n'y a pas eu de problème oui mais y a il, faut pas Burkina, pas parce il y a eu Burkina il y a eu deux, deux problèmes à deux points on en fait un problème anti français non c'est pas vrai et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Oh, ben, vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique Ce n'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a durement euh, sanctionné euh, le Mali il y a environ un mois. Euh, mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière. La junte, on a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez ?– Non, non nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. Euh, la CDAO a des règles. Ces euh, décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénuries, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, l'agente malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CDAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. – Alors ce calendrier, justement, au début, la Jeune vous a proposé euh, cinq ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'un an, elle vous a proposé quatre ans. Euh, L'Algérie euh, s'est proposée comme médiateur et a proposé euh, 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable ?– Mais Je n'ai pas à commenter sur la proposition de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CEDEAO, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises. Et nous examinerons le cas malien en temps opportun, en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous la date butoir, ça pourrait être à la fin? Je n'ai cette... pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision personnelle. Je ne suis pas président de la CEDEAO. C'est le Ghanaien, mon ami Nana Akuffo Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible, parce que le, le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. De, de, mais en tout cas, ça ne peut pas durer quatre ans. quoi. Mais je, euh, non, mais écoutez, quatre ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de, re, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la Nous, nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus vous, vous parce êtes... que les règles à CDEAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement avec... ben, On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Doumbouya, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis mmh. environ une semaine circule mmh. sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une mmh. prétendue conversation mmh. entre l'ex-Premier ministre du Mali, Boubou Sissé, mmh. et euh, une personne. Mmh. Certains ont reconnu euh, votre voix. Euh, on entend des critiques sur la junte malienne. Alors une ah question bon toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique Est-ce que c'est vous Peut-être qu'il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. – Elle a beaucoup circulé et on a… – Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, hein. c'était quand ça ?– Il y a environ une semaine. – Bon, mais envoyez-le moi, je pourrais vous répondre. Parce que, moi euh... je parle à tout le monde, à Boubou Sissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde, parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que Mais les, les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans Je cette conversation, à justement, à propos de oui. considération, on vous mm -hmm. entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades, ah bon oui, ben, Voilà, ben. donc c'est pour ça que ah ça bon, fait un petit peu scandale. Non. Monsieur eh ben, le Président, les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La, alors, la justice malienne a ouvert oui. une enquête pour atteinte euh, à la sûreté. Est-ce eh, que c'est pour vous ça, nuire Non, non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens. Je ne veux pas m'amêler. Est-ce que euh, l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qui est le Mali, ça risque de vous inquiéter non, nous, ou pas Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces, ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépasse, dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Bref. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur yamakouji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut, que, il faut que ça s'arrange. Ça peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens vous, vous, ni vous, de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous, nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc, le départ de Barkhane et de Takouba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie, et nous ferons en sorte que cela soit... Et nous prendrons toutes les mesures possibles, même si nous devons dépenser... 2 ou 3 ou 4 du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Alors, je vais en venir à un à mm -hmm. autre de vos voisins qui a également connu un coup d'État, oui. le Burkina Faso, c'était le 24 janvier mm -hmm. dernier. Euh, D'après les contacts oui. que vous avez donc avec le oui, chef de la junte, est-ce que, Monsieur ouais. le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes malien, ou peut-être s'oriente-t-il vers une, situation, une, pardon, une solution qui est peut-être plus euh, adaptée à ce que vous oui. cherchez ?– Non, mais moi j'ai parlé au colonel d'Amiba, d'abord je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du président Roch Kaboré. il m'a donné des assurances, et je lui ai dit que nous ferons en sorte de les accompagner à condition que les règles de la soient respectées, c'est ce que nous faisons actuellement. Et je souhaite que cela se fasse, bien sûr. Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez Mais Je n'ai eu que deux conversations avec lui. C'est un peu tôt. Mais avez... je souhaite effectivement que nous puissions trouver une solution rapidement pour ne pas en arriver à des sanctions financières et économiques pour le Burkina. Vous avez mentionné le président Kaboré, Il n'est oui. toujours pas libre de ses mouvements. Non, nous travaillons à cela. Nous travaillons. À vous cela. avez obtenu des garanties je ne suis pas la CDAO, mais en tout cas, j'ai plaidé. Le président m'a donné des assurances que son médecin le voit tous les matins, sa famille également. Et je suis rassuré par ce qu'il me dit et par conséquent, nous suivrons cette question. Malgré le putsch du 24 janvier à Ouaga, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a pu se poursuivre. Le procureur vient de requérir... 30 ans de prison euh, à l'endroit de l'ancien président Blaise Compaoré et de son ancien bras droit, Yacine Cafando. Mm -hmm. euh, il se trouve que le premier est réfugié en Côte d'Ivoire et, et que le second est présumé également vivre en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez que 35 ans après ce crime d'État, euh, il est temps que les gens connaissent la vérité et que peut-être euh, messieurs Compaoré et Cafando euh, acceptent de comparaître devant la justice burkinabé – Posez-leur la question. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Nous considérons qu'ils sont chez en Côte d'Ivoire et par conséquent il n'y a pas de difficulté. Il leur appartient et avec les autorités burkinabè. J'avais entrepris des démarches d'ailleurs avec le président Kabore pour le retour du président Compaoré. Je pense que tout cela se fera en, bon, en, temps, en temps opportun. Et pour Yassine Kafando euh, Je ne le connais pas, Yassine Kafando. Mais il est en Côte d'Ivoire Je ne le sais pas. On me dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Autre pays frappé par un putsch, c'était le 5 septembre, c'est la Guinée-Conakry. Oui. Euh, et... décidément, vous ne me posez la question que sur les pays. <laughs> il se trouve que ce sont trois pays voisins de ce la Côte d'Ivoire, M. Le, le Président. Les... Ce sont les pays qui me sont chers aussi. Bien sûr. Voilà. Et il se trouve que, pour l'instant, euh, le colonel Doumbouya n'a donné aucun calendrier pour euh, la transition, alors que ça fait déjà six mois que tout cela non, a eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas plus prêmer, indulgent prêmer avec le Conakry qu'avec Bamako je suis en contact également avec le Colonel Doumbia, les choses se feront en temps opportun. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera. Donc vous pensez que le calendrier va respecter le calendrier les normes Le calendrier dépendra euh... des institutions qui ont été mises en place et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année Non, quoi. non, non, je n'ai pas imposé un délai au Guinée. Ni aux Maliens, ni aux Faso, euh, Nous leur disons seulement que la charte de la CEDEAO a des contraintes qu'il faut respecter. Alors, il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. On mm -hmm. semble faire face à une sorte d'épidémie de coup d'État euh, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que mm -hmm. vous craignez que la contagion oui. euh, s'étende Non, je ne souhaite pas, bien évidemment. Non, je Est-ce que vous pour, le craignez pourquoi, pourquoi toutes ces mesures C'est précisément pour éviter des situations de ce genre. – Nous avons entendu, l'Afrique de l'Ouest a fait de grands progrès en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous avons une période difficile à cause du terrorisme, à cause de la pauvreté, à cause des problèmes globaux de, de, de réchauffement climatique, d'érosion, etc. Bon, C'est une période difficile à passer, mais ça ne veut pas dire que tout est bouleversé. Moi, je suis confiant. Hein, – Et de... chez vous, il n'y a pas de crainte ?– Mais Écoutez, euh, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui a connu un coup d'État que tout le monde regrette et je pense que nous avons et je crois que nous avons une armée professionnelle, républicaine et nous sommes confiants que nous continuerons notre marche vers le développement et le bien-être des Ivoiriens. Certains estiment que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les troisièmes mandats qui ouvrent la porte à des putsch militaires et certains pensent évidemment à votre troisième mandat de 2020. Ah non, non ce n'est pas mon troisième mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Abidjan. La constitution ivoirienne a été votée en 2016, j'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Je suis soulagé et je continuerai de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon et que nous continuions de faire des progrès importants au plan économique et social. – Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être un nouveau candidat en 2025 ?– Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher, cher monsieur. Ben, en... Donc, euh, en ce qui me concerne, tout le monde sait quelle était ma décision. Je l'ai annoncé au mois de mars pour les élections qui devaient avoir lieu en septembre. Alors Mais de... donc, il euh, n'y a pas de, j'ai pas de problème à me faire. Vous savez, j'occupais quand même des fonctions euh, importantes avant de, de rentrer en politique. Hein. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez non, plus non, candidat. Non non non. non écoutez, euh, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune. Que moi et mes, euh, et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025 Est-ce que vous l'avez ah, choisi Oui, oui j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Est -ce ils que vous sont avez... nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons euh, un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé de la question de, de l'âge. Euh, ouais. un, un député a annoncé qu'il voulait déposer un projet de loi, je pense que c'est censé être au mois d'avril, à, à mmh. l'Assemblée, ouais. euh, pour euh, rétablir la limite d'âge pour être mmh. candidat à la présidence à 75 ans. Mmh. C'est une limite qui avait sauté avec la révision constitutionnelle mmh. de 2016. Mmh. Euh, je crois savoir que vous y êtes euh, favorable. Ah bon bah dites-le moi, peut-être que vous n'y êtes pas favorable. <laughs> non, alors. mais moi, c'est l'Assemblée qui. L'Assemblée a son agenda et j'ai. Vous avez rien. votre sentiment, monsieur le Président Non, mais écoutez, des députés de mon parti prendront la décision qui suit, en temps opportun. Laurent Gbagbo a affirmé que pour lui, c'était totalement inacceptable. Mais Laurent Gbagbo, n'est pas, pas la République, hein, Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez des contacts toujours réguliers avec ah lui oui, oui. Il se dit Bien que sûr. vous ne vous parlez plus trop non, depuis quelques mois. Non, c'est pas vrai. Je lui ai parlé à peine trois semaines, comme avec le président Harry Konyambé Non, Non, nous avons des relations fraternelles. – Au nom de cette réconciliation et de mmh. cette fraternité ivoirienne que vous dites, est-ce que euh, après Laurent Gbagbo, euh, Charles Blégoudé et pourquoi pas Guillaume Soro pourraient oui. rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire ?– mais Qui demande à la justice, je ne suis, suis pas le juge, moi. – Vous parlez pour les deux ou plutôt particulièrement… – Non, non, non pour... mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours euh, ou des dossiers qui sont devant la justice euh, qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. Merci, Monsieur le Président, voilà. de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.